tester un jeu que vous attendez tous. En avant-première, le nouveau Call of Duty, j'ai Skyros. Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Ça va et toi? C'est ma petite phrase d'intro dans les vidéos. Elle marche bien cette phrase d'intro. C'est ta touch quoi, c'est ta patte. En fait, c'est maintenant à chaque fois que je la dis, c'est juste histoire de dire je sais que je suis en mode vidéo, je commence la vidéo. Eh bah écoute, je pense que tout le monde a compris qu'on a commencé cette vidéo et on va jouer au nouveau Call of Duty qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, tout à fait. Est-ce que tu as déjà joué? Oui. J'avais eu la chance de pouvoir le tester lors de l'E3, ensuite à Gamescom. Ouais. J'adore Call of Duty, et c'est vrai que celui-ci est quand même plutôt bon, donc du coup, on joue et on voit plus les heures passer. Je te propose de lancer le jeu et de nous montrer un petit peu à quoi ressemble la campagne. Eh bah, écoute, avec plaisir. Voilà. Avec plaisir, surtout que j'ai pas encore vu à quoi ressemble la campagne. Non, je joue pour le petit joueur. Ouais. C'est parti. C'est Jean de la ville. C'est Jean de la ville. Blague. Donc, comme tu peux voir, on a le campagne, multijoueur ou zombie nazi. Zombie nazi? Non, mais je t'en supplie. Tu veux voir? Je t'en supplie. Je suis désolé, mais on lance la campagne zombie nazi. Je sais que vous vouliez qu'on lance la campagne, mais. Le zombie, attention, le zombie est un mode qui est très très populaire sur Call of Duty et au départ qui est né de tout à fait un hasard. C'est-à-dire que ça jamais serait dû voir le jour. C'est simplement les créateurs de Call of Duty World War II qui, pour le midi, ils avaient créé ce petit mode zombie pour s'amuser entre eux. Et finalement, ils ont vu que c'était tellement marrant qu'ils ont dit, bah tiens, on va le mettre sur le jeu. Pas. Voilà. Donc là, nous avons... Le dernier Reich. On va faire le dernier Reich. Ok. Ok. C'est parti. Allez, c'est parti. Tu veux tester? Putain, je sais pas jouer. Comment on fait? Bah, on prend la manette. Tu vois, les zombies, déjà, on voit bien que... Oh, ils sont bien faits! Ils sont bien faits, ouais. C'est pas un zombie rigolo, c'est vraiment... Ah bah non, on tire avec quoi? On fait comment? Alors tu vises avec ça, ouais. Et tu tires avec ça. Ok, donc on est bien. Là, tu commences, t'es dans une petite, dans un petit couloir. Là, je peux rien prendre. Là, t'as la première vague. Oh mon dieu, ils sont où? Ah, ils vont arriver. Et plus t'avances dans les vagues, plus c'est compliqué. Ah, t'arrêtes pas, tu l'as pas tué! Mais j'ai des munitions limitées, pas du tout. Non, même pas. Si jamais tu te fais tuer par un zombie, derrière moi j'ai ma petite arme et je vais te tirer dessus. Donc en plus de ça que le jeu fait un petit peu peur, t'as pas intérêt de te faire tuer parce que sinon tu te fais tirer dessus. Alors le but c'est pas un jeu statique, tu peux avancer non, aussi. Non mais j'ai pas envie. Là il y a plus personne, on est bien. Voilà. Il faut que tu te balades parce que là c'est juste le début. Il faut que tu te balades dans le monde et il faut que tu ailles ouvrir des portes et il faut que tu ailles choper des nouvelles armes. Y'a pas le couteau? Attention, ouh le coup de pelle dans la tête. Attention, ouh là y'a du monde. Là, te déplace pas en visant sinon t'es moins rapide. Rigole pas. Si c'est rigolo. Ils arrivent, ils vont ouais, te tuer. Ouais je sais. T'es dans un coin, t'es plus au piège. Alors là, pour le début, c'est vrai que les premières vagues, les zombies généralement sont un petit peu lents. Donc si tu laisses un petit peu le temps, quand même. T'es en train de me dire que c'est facile là. Voilà. Non, mais ça te laisse le temps de t'ajuster un petit peu et de prendre la main sur le jeu. T'as plus de munitions par contre. Là, tu veux. Ah bah voilà. C'est bon. Attention. Oh, bien joué. Voilà. Tu les as décapités. Je sais pas si t'as vu. Comment est-ce que je fais? Elles sont les munitions. Ici à gauche, tu as une arme au mur. Voilà. Elle est très bien celle-ci. Ok. Voilà, c'est une mitraillette. Elle est très bien. Est-ce que tu sens un peu de pression? Ouais, complètement. Alors, pour avoir joué au mode zombie, plus tu vas avancer, plus ça devient compliqué, plus ça devient intense. Plus il y a de zombies qui sont dans tous les sens, ils arrivent de partout. Il y a même un moment où toutes les lumières s'éteignent. Oh, et tu vois juste une petite lampe torche. Et les zombies, tu les vois dernièrement, c'est très très flippant. Et tu te débrouilles très bien. Non mais en fait je joue vraiment aux jeux vidéo, hein. C'est pas, je fais pas semblant quoi. Non mais je... Oh là là, il est où? Et attention. Non. Ça y est, t'as pris ta santé. Et voilà. Mais regarde comment on fait. Mais y a pas de munitions, voilà. Tiens, on va voir si tu te débrouilles mieux. Aïe. Alors, est-ce que tu veux qu'on aille tester le mode campagne plutôt? Écoute, pourquoi pas? Pour voir un peu de diversité. Et comme ça, je reste imbattu, indétrôné dans le mode zombie face à toi. Effectivement. Voilà. Tu as peur en fait. J'ai un petit peu peur, c'est vrai. Là,
fait, j'ai vu qu'il y avait la barre était haute. Ouais, je sais. Je me suis dit, je vais pas non plus me ridiculiser. 50 éliminations, 28 tirs tête, on est quand même sur le haut du panier des joueurs de Call of Duty Monde. Là, je pense que... je pense que là, tu peux te lancer dans la compétition. Oui. Alors, quelle difficulté? On te la raconte, hein. Vas-y. Mets ton niveau de difficulté. C'est toujours le moment un peu gênant parce que tu veux pas mettre recrue parce que tu veux pas passer pour un con. Oui, c'est ça. Tu veux pas mettre vétéran parce que tu sais que tu vas passer pour un con. Ouais, c'est ça. Donc, commando. Donc, tu dis seconde classe ou commando? Commando. Allez, on va lancer commando. Ah. Comme ça, au moins, je suis sûr que je vais mourir vite. Alors là, c'est le moment où je rentre en jeu. Voilà, parfait. Ah ouais. Ok, ok, on a le point, il est là, bon pour le moment. Allez, t'as raison. Ah ok, les Bangalore, tu sais ce que c'est? Non. C'est pour faire exploser les défenses allemandes. D'accord. Qui empêchaient les gens de passer. C'est rigolo parce qu'à chaque époque, ça référence à la Seconde Guerre mondiale, t'avais il faut sauver le soldat Ryan avec Medal of Honor, là t'as eu Dunkerque et tout de suite après que le Call of Duty World War 2. Nul! Tu veux pas baisser le niveau de difficulté, t'es sûr? Non, mais attends, mais on me tire dessus, mais... Ouais, mais comment veux-tu que... T'as de la chance que j'en ai plus! Non, mais comment veux-tu que je fasse? Faut que j'aille me... Je sais pas... Ah, mais attends, peut-être que... Tu veux que je joue à ta place? Faut se mettre à couvert, ok. C'est bon. Ouais, je prépare, je recharge, parce que là... Non, c'est bon, j'ai compris. Mais là, on peut pas leur tirer dessus, les mecs. C'est pas possible. Donc, allez, cours. Me tirez pas dessus, s'il vous plaît, je veux pas mourir. Ah non. C'est horrible. Est-ce qu'on peut dire que t'es obligé de mourir au début? J'ai comme l'impression qu'on peut pas aller là. Tu vois, j'ai vu les balles qui sont arrivées vers moi. J'ai tout de suite compris que la mort était à mes côtés. Moi, j'ai senti la mort venir et me regarder dans les yeux. J'ai senti la mort et l'honneur, quoi. Ah, regarde, mais regarde. Non, mais sans déconner, mais arrête. Mais enfin. Tu peux rien faire. Mais quoi, tu peux rien faire? Bah, tu peux mieux jouer. Bravo. Allez, go, c'est courir. Comme ça qu'on remporte. Ah, il est mort, comment je fais? Non, mais cachez-vous. Ah, couche-toi. C'est bon, je vais suivre. Ah, mais non. Mais tu vois. Mais oui, ils sont là-haut. Mais c'est fini, oui, ils sont là-haut. C'est fini, c'est la règle du jeu, c'est toi qui les a mis. Bah oui, non, mais alors. Il y a des bunkers là-haut. Ouais, j'ai vu là, du coup. Trouve un chemin plus malin. Je pense que c'est ça en fait. Parce que t'es obligé de mourir. Là, en fait, je vais dans la gueule du loup. On va aller s'allonger. Et c'est où la mission? Là derrière le truc à droite. Tu vois, c'est les digues. C'est là-haut. Je peux pas atteindre. Mais forcément. Ah, on va se coucher là. Ouh, merde. Pousse-toi. Là, ça va être compliqué. Hein. Ça va être coton. Mais il nous tire dessus dans tous les... Tu vois comme quoi, à chaque fois, oui, le mode multijoueur... Baisse-toi, ils sont rentrés. C'est bon. Yes. Ouh. Oh, je suis jamais allé de ma vie. Je peux pas mourir, s'il vous plaît, je peux pas mourir. Enfin, je pense que c'est ça, c'est vraiment pour retranscrire l'émotion et la peur qu'avaient les soldats à l'époque. C'est que t'as pas envie de mourir, t'en as marre de mourir, tu dis je veux plus mourir, j'en ai marre, je veux plus. Mais peut-être, attends que les rafales soient passées, j'ai l'impression qu'il y a une cadence. Tu sais, c'est comme dans Dark Souls, il faut un peu repérer le pattern. D'accord, ok. Là, j'avance un petit peu là. Je suis pas expert. Tu vois, ils auraient amené les grenades fumigènes, ça aurait été quand même un peu plus pratique. Hein. Ah. Je vais aller un peu sur la gauche. Oh merde, non, je vais pas faire. Oh merde, c'est pas là. Là, c'est le moment où il faut que je fasse attention pour faire de gros bombes, sinon ça va m'échapper. À droite, ils ont l'air de se faire canarder quand même. Hein. Ouais, mais là, je rampe, je veux passer quelque part. Allez, poussez-vous. C'est vachement bien, mais. Là, c'est bon, j'y suis arrivé. Couche-toi. Vite, protégez-moi. Regarde ma barre de vie, je peux passer bien d'abord. Oh. Et par contre, ah non, mais j'ai pas de régénération de santé. Bah si, regarde, si. Non, regarde. Pas du tout. Mais regarde, tu n'es plus qu'à 28 mètres. Ouais, mais j'ai l'impression que les derniers mètres vont être les plus compliqués de ma vie. Oh là, mais qu'est-ce que tu fais? Couche-toi. Ah oui, mais je vais pas me courir allongé non plus. Je vais tout donner. Yes. Je suis arrivé. Wouhou.
C'était pas facile. Non, c'était vraiment dur. Avec certitude, je peux annoncer que je vais devoir m'entraîner un petit peu sur le mode campagne. J'ai l'habitude de jouer uniquement en multijoueur. Ouais. Et je trouve que là, c'est intéressant et je pense qu'il faudrait que je m'entraîne un peu. Mais c'est dur. Je suis pas du tout habitué à survivre dans un environnement comme ça, c'est très hostile. C'est complètement hostile et puis en plus sur toute la première partie tu pouvais rien faire en fait. En fait je pense qu'il faut vraiment apprendre, c'est comme les jeux vidéo à l'ancienne, il faut vraiment apprendre exactement ce qu'il faut faire et où aller pour y arriver. Et c'est pas mal de retrouver cette difficulté là. Ouais, ça rappelle un peu ça justement. C'est-à-dire que c'est pas du genre même si t'es très bon tu peux vous filer les balles etc. Non, faut que t'ailles là, faut avoir le timing, il faut observer les tourelles, elles ont comme tu dis des patrons où t'observes et dès que ça s'arrête hop tu passes. J'aime bien les jeux comme ça. Merci de nous avoir montré la campagne de Call of Duty World War 2. Eh ben merci, moi j'ai découvert avec vous donc là comme ça, c'était sympa. Impeccable. On peut te retrouver où alors en dehors de ce magnifique salon Playzone? Sur YouTube tous les jours, petite vidéo. Détente, raconte des bêtises, des histoires, des fois c'est sérieux, ça m'arrive. Ok. Principalement sur Call of Duty, voilà. Skyrose, merci beaucoup d'avoir testé ce jeu aujourd'hui avec nous dans cette première partie de la Playtime, mais tu restes avec nous puisque tu seras avec nous pour une deuxième vidéo où on va tester le jeu Inpatient, où tu vas tester le jeu avec un petit casque VR, la deuxième partie un peu horrifique. Ça va être bon ça promet. On vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, merci. Merci, salut.